there's a fire, but no fire brigade. Help us, oh, tonight we are losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo tout le monde, c'est Jérémy Jim, j'espère que vous allez bien et on est sur le compte aujourd'hui de Jérémy, voilà. C'est pas mon cousin du 62, non, mais bon voilà, c'est pas mon compte secondaire non plus. Voilà, donc Jérémy du 62 pour un tirage de 57 000 gemmes, donc balèze, et il a 60 000 de puissance, et regardez ce qu'il y a au milieu, il y a le Volta, non mais sans déconner. Alors lui, s'il a pas démarré le jeu à fond la caisse, c'est, en plus c'est son premier héros, il a pas encore d'évo là où il en est. Wow, bah il a tout, il y a que Artica je crois qu'il a pas. Et qu'est-ce qu'il voulait? Je vais remonter message. De toute façon, il lui faut des cartes en plus. Il faudrait Anubis, Ducilia et Artica dans les dossiers possibles. Voilà. Bon, en tout cas, t'as 2 millions d'or et c'est tes coffres d'or qui sont pas encore balèzes. Bon, je te conseillerais peut-être monter un peu tes coffres d'or. Oh la base de héros niveau 8. Ah ouais, ouais. T'es dans le début du jeu là. Enfin, c'est chaud là. Par contre, ah non, ça déjà niveau 14. Là, faudra pas oublier les bases de héros, c'est quand même plutôt très important là pour les vagues. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les œufs. Oh, seulement 382 000 gemmes, pas mal. Franchement, pas mal. Ouais, c'est vrai que ça, c'est l'avantage si on veut d'avoir commencé le jeu plus tard. C'est vrai que du coup, ben, tu mets, c'est vrai que si tu peux te le permettre, tu mets tout de suite. Pas mal et tu gagnes plus de choses comparé, bah moi je suis presque à 3 fois plus que toi et j'ai moins de héros que toi je crois. Donc ça c'est fait. Ah oui, t'avais commencé au cas où, comme je t'ai répondu tard. Voilà, donc on va commencer directement par les œufs. Du coup l'objectif ici c'est Artica, c'est même pas Volta. Voilà, il y en a qui ont de la chance, qui ont commencé par les bons dragons. Artica, moi j'ai toujours pas non plus, c'est fou, il est jamais tombé dans mes œufs. J'ai eu quelques souffles destructeurs entre temps. Entre temps, j'ai une carte, mais je veux dire, depuis que je l'ai, j'en ai eu 3 ou 4 des souffles destructeurs. Enfin, depuis qu'il existe hein, dans les œufs. Mais là, il me reste plus qu'une carte. Allez, donc, Anubis, il est même pas série d'écussons de drain de vie niveau 2, c'est cool ça. Ouais, non. Il y a Crève-Cœur, il y a Rudolph, il y a Volta, Artica, mais il n'y a pas Anubis dans les œufs, ça c'est bizarre ça. Pour mon avis, il y sera à partir de la semaine prochaine. Mais c'est bien dommage. Bon, les œufs, par contre, ils nous donnent pas grand-chose. Là, on voudrait bien un héros ou un truc, un pack de série d'écussons de niveau 1. C'est trop nul. Ça, par contre, c'est nul. 1000 insignes d'honneur. Ok, une carte de réunissant de talent. C'est sympa, ça fait déjà 300 gemmes en plus. Voilà, quand tu vas faire ta quête. Bouclier psy, par contre, ça c'est sympa. Ça, ça le fait. Ah oui, au fait, bon anniversaire à Medine. Bon anniversaire, poteau. Bah, du coup, la vidéo elle va être publiée dimanche. Vous la verrez dimanche, mais son anniversaire c'était samedi. Ouais, bon, c'est vrai, du coup, j'avais prévu de faire la vidéo sortir samedi, mais j'ai pas réussi à me capter avec Jérémy plus tôt dans la journée. Donc voilà, petit bon anniversaire en retard. Voilà, même si je te l'ai dit directement dans les temps. Voilà, mais bon anniversaire, Medine. Voilà, bon, par contre, les œufs, ça me plaît pas, ça. 300 gemmes, etc. Bon, c'est sympa, mais ça fait pas de héros et ça fait pas d'Artica. Voilà, ça fait pas de Rudolph non plus. Je crois que non, je voulais pas Rudolph, Ducilia. Je sais pas s'il y avait des boîtes d'écussons mythiques. Ok, bon, c'est déjà sympa. Sans gemmes. Je regarde en même temps le message qu'il m'a dit dans ce qu'il aimerait bien avoir. Ouais, Ducilia, ouais. Bon, bah, purée, y'a rien dans ces œufs, c'est quoi ça? C'est les œufs à la coque. Allez là. Et le dernier. Pouah, 150 gemmes. On n'a pas eu d'héros, à moins que j'étais trop en train de parler là. Mais on n'a pas eu d'héros quoi, sans déconner. Alors, par contre, niveau des gemmes, c'est bien, on en a pris pratiquement 2 ou 3 000 là. Ouais. Bon, une carte de talent. Oh, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Espérons avoir plus de chance de l'autre côté. Par contre, je crois qu'il m'a dit qu'il a largement fait de la place dans l'entrepôt. Oh ouais. Oh, par contre, les packs d'Emi Gloire, ça fait plaisir. 1600 Gloire, voilà, en achetant via le bazar. Parce que je parlais à X-Clash, là, qui savait pas. Est-ce que je lui dis, ouais, en plus, si tu veux acheter, vas-y, prends. Ça tombe bien, il y a des gloires dans le bazar. Il me dit, ouais, ça m'intéresse pas. Je fais, comment ça, ça t'intéresse pas, des gloires? Mais ouais, donc en gros, t'achètes par ici et tu gagnes ce qu'ils proposent dans les lots.
plus la valeur des gemmes en vrai, quoi. C'est comme si t'achetais des gemmes normalement, mais avec ça en plus. Voilà. Il suffit de pas l'oublier pour ceux qui savent pas. Voilà, c'est le prix des vrais packs. Des vrais packs qui sont là. Donc il a, tu prends un pack à 75 via le bazar, par exemple. Hop, tu gagnes tout ce qu'il y a là en dessous, les essences, trucs, les cartes d'héros spéciales, les gloires, et tu récupères en même temps tes 27 000 gemmes. Voilà. C'est plutôt sympa. Bon, on va commencer ce tirage, on retourne autour du pot là. Allez, donc Anubis, ce serait le feu. Oh, on n'a pas eu de premier légendaire pour démarrer en feu. Dommage. Allez, on y croit, je suis chaud, chevalier de la mort. Non, par contre, lui m'a plutôt refroidi. Serenia, bon, allez, double légendaire. Là, ça peut le faire, il y a de l'idée. Ok, et des Ducilia. Bon, dans tous les cas, vu qu'il a pas d'évo, j'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de cartes de héros légendaires de côté, mais dans tous les cas, je pense que ce sera pratique pour ses évo 2, parce qu'il en faut un petit paquet quand même. Allez, démon de glace, assassin. J'ai regardé la vidéo d'Avatrex aussi qui faisait un tirage sur un compte. Oh, champion du monde! On commence par là. Ouais, désolé, je vais vous traumatiser avec ça, mais. Ah, Grizzly Faucheur. Par contre, ça suffit là, les vieux héros là, de Mathusalem, paladin. Mais alors. Ouais, et il nous manque. Il nous manque plus que celui dont je veux pas crier le nom tout de suite. Roi Fantôme, bon déjà, c'est un héros plutôt sympa. Roi Fantôme, il est efficace à peu près dans tout, dans les vagues, dans les îles de lave, il n'y a pas de problème. Le Goulême, ah, le Goulême par contre, c'est un gros héros, bon, il a aucune évo, ça c'est sûr, mais par contre, est-ce que c'est une carte qui pouvait lui être utile? Ah ouais, par contre, du coup, il n'a pas beaucoup de cartes de chaque. 3 cartes, donc c'est cool, en tout, il en faut 4 pour faire ses évo 1 et 2. Donc dans tous les cas, c'est cool, c'est pratique pour le Roi Fantôme, il est cool aussi. Bon, c'est l'avantage quand on fait des tirages sur des comptes. Bah, pas faible puissance non plus, 60 000, mais bon, quand même, c'est tout est relatif. Donc au moins, il a besoin de pratiquement tout en doublon, donc c'est plutôt sympa. Druide. Bon, druide, pas fan. Les doubles verts à côté, franchement, qui gâchent la vie. Bon, ça fait un peu genre, j'arrive avec mes sous-fifres, mais... Pouh, alors ça fait mal aux yeux, quand même. Double légendaire, ça, c'est pas mal. Bon, ça vaut pas un triple. Alors, le triple, à chaque fois, je pète de joie, même quand c'est 3 héros de merde. Parce que pour les yeux, voilà, c'est beau, ça met plein la vue. Crève-cœur, ok, crève-cœur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle a peut-être de l'avenir plus tard. Quand j'ai fait le test, j'étais pas totalement convaincu, mais il y a peut-être de l'idée derrière. Ninja! Houya! En plus, il me l'avait mis dans les messages, et voilà, il a fallu tomber sur Ninja. Pour moi, c'est le Ninja du Palmacho, là. C'est pas le Ninja de la tour Parnasse Infernal. C'est dans. Je sais pas si vous avez déjà vu les petits sketchs, là, The Palmacho. Moi j'adore, ils me font bien rire ces deux cons. Skeletor, ok, bon ça prend, c'est toujours du bon héros, bah du coup on va accélérer un peu sur les tirages là, parce qu'on en a jusqu'à demain. Valentina, ok, ça c'est du bon héros, ça fait plaisir. Oh, mince, dommage, pas de bol. Tréhanteur, ok, cool. Paladin, ouais, Drakkax, parce que... Oh, Medusia, sympa, ça c'est du bon héros. Drakkax, c'est vraiment quand t'es au début du jeu, quoi, qui peut être utile. Hein. Mais lui, vu qu'il a tous les héros, même le Volta... Vous comprenez ma déception quand le Drakkax il sort. Champion du monde. Non merci. Allez, Anubis, sans déconner, j'aimerais bien une vidéo où je le tire. Je l'ai pas encore tiré en vidéo, quoi, pour qui que ce soit, sans déconner, ça me stresse. Il y en a qui arrivent à l'avoir en quelques gemmes, là, c'est complètement fou. Bon, après maintenant, il y a tellement de héros que d'avoir celui que tu veux en tirage, c'est chaud, quoi, il y a tellement peu de chance. Allez, Anubis. Non, druide. Revenant. Wow. Alors, par contre, des revenants, j'ai vu qu'il en avait déjà 4. Pas très ouf non plus comme héros. A voir plus tard, mais là... Pendant une période, on le voyait en défense de garde-guilde, mais là, c'est déjà fini. Allez, là. Contre vampire. Wow. Et Atlanticor. Par contre, il n'y avait pas d'Anubis. Bon, ça va, ça rame pas trop, là, je suis en train de faire la mise à jeu. Oh, sucre d'orge. Oh, non, si t'as un Revita 5 dessus, à la limite, elle peut servir un petit peu. Contre vampire. Bon, il y a du légendaire. Il n'y a pas à dire. Dieu du tonnerre, on a du légendaire. Là, ça met plein de violets régulièrement, on commence à être habitué à la couleur. Je vais juste faire un petit check rapide quand même sur le... Ouais, ça va, on est largement bien en place. Ce serait quand même con d'avoir un petit message. Veuillez augmenter la capacité... Bah en plus, le maximum. Tréhanteur, ok, ça fait deux fois. Orxban, on l'a pas encore vu. GG Orxban. Orxban encore. Wow, c'est le double, c'est la revanche de l'Orxban. C'est fou ça, deux fois le même héros, Grizzly Faucheur. Ah, y a pas à dire. Diaboluc. Bon, ça, c'est un bon héros.
Ok, Imhotep, je suis chaud là, je suis chaud, vous sentez monter la pression là? Anubis il va arriver là. Barbe blanche, bon ça, on a du bon, barbe blanche encore, ok. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Allez là, Anubis, Anubis. Putain, arabe. J'espère que vous n'avez pas trop... Druide, non mais Druide ça fait déjà 3 fois là, par contre ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Et par contre, avant que je m'emballe, il voulait faire 5 ou 10 000 gemmes de... Ah. Bon, par contre, on va quand même pas faire tout de suite. On va descendre, allez, à 7000 gemmes. 7500 gemmes, on fait du tirage de talent dompteur de bêtes. Bon, dompteur de bêtes, il est pratique. Un archidémon, on se fout pas de sa gueule. Il est balèze. Il est balèze par rapport à ses talents. Oh, peut-être 5000 alors plutôt. Un dernier. Ah, bon. Franchement, j'ai cru là pour le moment, j'étais un peu en feu. Les boules, parce qu'en fait, lui, il a tout. Il fallait voir Artika, Anubis et Ducilia. Ducilia, il a peut-être. Non, pas du tout. Il a pas du tout Ducilia. Donc, on n'a pas eu les héros qu'il voulait. Ou même Crève-Cœur, il avait déjà. Par contre, c'est cool. T'as plus que 5 héros verts. Non, t'en as 6, ouais, je dis tout le temps. Des fois, je dis 5 ou 6, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Des fois, je vous dis des conneries en vidéo. Donc, on peut avoir maximum 6 tours, hein. Donc, il faut 6 héros de chaque couleur. Je sais pas, d'un coup, comme ça, j'ai l'impression que je vous ai déjà dit de la merde. Enfin, bref, voilà. Bon, on va faire un petit peu de tirage de talent, quand même. Par contre, du coup, est-ce que dans les événements, on n'a pas quelque chose, là? On n'a pas un consommé et gagné. Consommer la quantité requise pour récupérer comment dans le bazar. Collecter. Ah non, c'est en tirage. Non, tout est collecté. Est-ce qu'il y a des trucs bien à collecter? Parce que bon, là, ça, il pourra le faire lui-même. Bon, il pourra le récupérer. Mais c'est pas fou. Une carte de héros légendaire, mais c'est un héros légendaire classique. C'est pas un héros légendaire d'événement. Voilà. Et on va gagner ça juste après. Par contre, au niveau des ressources, c'est bien. Ça fait beaucoup de fragments, d'essence, des runes. C'est super. Ça, c'est pratique. On va sortir la carte de talent qui avait là. Ça tombe, on va en choper d'autres entre temps. C'est bien toutes ces récompenses, hein. C'est pas trop tentant. Tiens, pour essayer de faire pareil, là j'essaie de résister là, mais c'est chaud. Allez, récupère tout là. Bon, désolé, mon ordi rame un peu, mais c'est ma connexion internet, la mise à jour de Battlefield qui est assez balèze là. 4 Go là presque. Du coup, ça prend beaucoup de connexion. Allez, je raconte ma vie, mais c'est pas tout ça. On va changer les talents. Ouais, non, roue de hobe 1 quoi. 3, ça monte hein. Eh merde, c'est vraiment un talent à chier. On va regarder sur ces derniers héros s'il n'y a pas du 1 ou du 2 ou pour aider en talent. Non, il a l'habitude de faire comme moi. Il passe directement sur les derniers héros pour voir ce qu'on peut faire. Bon, à mon avis, en talent, il est plutôt bien. Oh, t'as déjà dû faire des tirages talent toi quand même, parce que là. Oh merde, c'est dommage. C'est peut-être une Valentina. Oh bon, ok, d'accord. Tant que c'est pas du... Ouais, ok, ça sert à rien. Ok, donc on sait qu'on va garder que les gros talents. Par contre, du de la guerre 3, j'aurais peut-être dû faire attention. Bon, c'est pas ouf, mais quand même. Allez, oh, ressusciter 4. Chier. C'est pas fou, hein. C'est vrai. Oh, par contre, revite à 5 dessus. Revite à 5 sur destructeur. Bien, au moins, c'est un destructeur que tu vas utiliser, Cupid. Y'a que ton bélier. Oh, par contre, ouais... Ah, c'est dommage sur le bélier. C'est dommage sur le bélier, surtout ta destructeur. Tu as peut-être eu comme ça. C'est possible aussi. Oh, par contre, mon ressuscité va servir strictement à rien du tout. Mais tellement à rien. Il voulait que je lui dise si je chope du lourd. Mais là, malheureusement, j'ai chopé des cartes qui vont être pratiques pour toi. Mais purée, même ça, ça va me servir que dalle. Bah oui, je veux changer quand même, hein, même si c'est ça. Du coup, oh, Revita 4. Bon, par contre, Revita 4, c'est pas la folie, mais ça va déjà être mieux pour son bélier. Voilà, remplacer. Ok. Ok. Non, c'est nul. On peut faire un dernier. Ah, c'est de la merde. Bon, ok, tant pis. On n'a pas eu de chance là-dessus. Consommer gagné, non. Explosion du bingo. Offre le fragment. Non, il n'y a plus rien. Et du coup, on a eu la dernière récompense ici. Voilà, ça fait quand même encore une pierre d'évolution et plein de fragments. Donc, c'est plutôt sympa. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Là, c'est un compte qui est quand même bien prometteur. Bon, c'est vrai que vu qu'il lui manque pas grand chose, c'est. Oh purée, revite à 5 sur le duc aussi. Waouh. Alors, par contre, pour les modes PVP en champ de bataille et tout, pour ton niveau, tu dois plutôt bien cartonner. C'est sympa.
Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se dit bah, à très vite pour une autre, et puis bah, bon kiff à toi quand même, hein, Jérémy, désolé, hein, rien chopé d'énorme, en tout cas ça va être des cartes plutôt pratiques, là je crois que même Barbe Blanche t'en avais pas de fou, si, peut-être, oh, si t'en avais déjà plus que fou, il y a eu un Skeletor, donc t'as toutes tes cartes, Dracula t'es bien aussi, Urzban t'en avais pas en carte, bon ça te servira peut-être pas, mais on sait jamais, voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus, et à très vite, tchuss.